Bonsoir, bonsoir. Nous revoilà en direct pour partager notre gratitude du jour et partager notre énergie et notre joie du moment. Voilà. Je vais mettre le micro parce que je suis obligée de le mettre. Ah oui, on va peut-être mettre le micro parce que ça sera mieux. Voilà, mademoiselle Roxane. Hop. Tac. Voilà, c'est les joies du direct. Voilà, on fait avec. Oui. Ça va vous partager notre gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est ta gratitude aujourd'hui? Alors, moi, ma gratitude, alors y en a deux que j'avais envie de partager avec vous. Tout d'abord, gratitude ce matin. Voilà, j'ai fait un accompagnement, un coaching là, par Skype. Et j'adore, c'est chouette parce que la manière dont repartent les gens, voilà, ça permet vraiment de, voilà, de prendre une vue d'hélicoptère, de voir la situation différemment, de rebondir, de reprendre les commandes de sa vie. Et c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment satisfaisant de voir comment les gens peuvent évoluer en une petite heure de coaching. Ça, c'est génial. Donc, ça me remplit de gratitude à chaque fois. Voilà. Et puis une autre gratitude que je voulais partager avec vous ce soir, c'est ça y est, c'est officiel, je suis divorcée. Oui, ça me fait. Ça aura mis du temps quand même. Ça me fait beaucoup rire. Oui, mais ça aura mis du temps. Ça fait 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Et ça y est, c'est enfin officiel. Donc je vais pouvoir fêter ça. Voilà, donc c'est voilà, gratitude pour eh bien pour voilà ce côté officiel, et puis gratitude pour tout ce par quoi je suis passée depuis 4 ans et demi, parce que je pense que l'eau a vraiment vraiment coulé sous les ponts, et toute la transformation qui en a découlé de ce divorce. C'est vrai que d'arriver aujourd'hui au moment où voilà toute ma nouvelle vie prend de plus en plus d'ampleur, de voir que ça y est, le divorce officiellement est signé, est acté, c'est très symbolique en fait pour moi. C'est vraiment très symbolique. C'est comme si, voilà, c'était terminé. Il y a une vraie page qui se tourne. La chrysalide est sortie de son cocon. La renaissance est faite, et une bonne fois pour toutes. Et boum, et ça, maintenant, ça va. Wouh! Ça va partir. Ça va partir à fond la caisse. Enfin, c'est déjà parti, mais, mais voilà, je sens qu'il y a. C'était encore comme, pas comme un petit fil à la patte, mais voilà, il y avait encore ce truc-là qui, comme si ça me freinait encore. Et voilà, et maintenant, je sens que c'est vraiment, énergétiquement parlant, il se passe quelque chose. Donc, gratitude, gratitude. Voilà. Et toi, Roxane? Alors moi, j'ai envie de dire merci, parce que là, je viens d'avoir une copine au téléphone, donc qui vit sur Paris, donc une jeune que j'ai rencontrée avec Internet. Et donc elle est entrepreneur, elle a une chaîne YouTube et tout, et c'est génial parce que on a décidé de créer un événement pour février, tout début février, destiné aux jeunes. Et donc voilà, un événement où on va témoigner, on va donner des clés, on va pouvoir inspirer ces jeunes. C'est surtout des jeunes qu'on va toucher, et je trouve ça. Je suis trop excitée parce que je trouve ça génial de pouvoir transmettre toutes ces belles choses qu'on a apprises jusqu'à maintenant, et même de pouvoir inspirer les autres. Donc merci pour ça, et merci pour toutes ces belles opportunités qui s'offrent. Et c'est des opportunités que j'ai envie de prendre, et voilà, pour donner le maximum, donner le meilleur de moi-même aux autres, et pouvoir vraiment inspirer les autres, c'est vraiment ce qui me touche. Donc merci, gratitude pour ça, parce que je trouve ça merveilleux. C'est génial, c'est génial. Bravo à toi en tout cas. Alors, qui c'est qui en direct? Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Yes, il y a Alix.